que l'homme n'aime pas les cadeaux. Les hommes aiment l'attention comme les femmes. Les hommes aiment les cadeaux comme les femmes. Les hommes aiment le respect comme les femmes. Les hommes aiment même les demandes en mariage. Tu es resté dans une relation un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Le gars ne te demande pas en mariage. Mets ton genou au sol, demande-lui en mariage. C'est ça l'évolution. Nous aussi, on évolue maintenant. Tu es avec un homme, il est là, il ne peut pas payer le loyer. Ma chérie, tu payes. C'est ça la vraie femme. C'est ça les vraies relations. Tu es avec un homme. Il ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Tu les envoies à l'école. Tu es avec un homme. Il ne peut pas. Parce que c'est inadmissible. Je vois souvent d'autres femmes, même le sel. Quand le sel finit dans une maison, elle attend son homme. C'est l'homme qui va venir acheter le sel. L'enfant n'a pas le lait, même le simple lait de que l'enfant doit boire pour se nourrir. Ma chérie, donc en cette année 2021 qui arrive à grands pas là, faisons les choses. Nos émotions ont besoin de ça. Offrons les cadeaux. Je dis que tu offres le cadeau. Et prends tes petites économies, offre-lui aussi le cadeau. Que le gens qui reste comme ça, il se dit aussi que... ce que vous voyez là, c'est ma femme, c'est ma copine. Et tout qu'on marque les hommes, vous croyez qu'on marque les hommes comment? C'est comme ça qu'on marque l'homme. Toi, tu es là, Maï. Je veux. Tu es éternelle, mendiante, matin, midi et soir. À un moment donné, il faut aussi donner. Les hommes aussi ont besoin de cadeaux. Quand tu lui offres donc le cadeau, tu vas voir, même s'il n'a pas l'habitude de t'offrir, à force de forger, on devient forgeron. À force de te voir lui donner, il va aussi te donner. C'est comme ça que lui doit seulement te donner. D'autres, même quand tu les donnes, c'est toujours petit. Elles ne sont jamais reconnaissantes. Tu fournis même les efforts. C'est comme si c'était un problème.